Ah, salut Yves. Ok, this is live. And it's live on YouTube too. Ok, cool. And I'm filming on YouTube if you can't stay for the whole thing. Sorry for being late. I was finishing editing a video and I really wanted to post it before the live stream. But yeah, now it's up. And if you're interested, actually, I talk about the expression oh la la. It's really cliche, I know, but I think sometimes people don't really know what it really means, what it actually means. So yeah, I gave some examples, like when we really use it in French, and I told a funny story that happened when I was studying with an American friend. So yeah, if you're interested, check it out. It's on our YouTube channel, streetfrench.org, right now. I hope the washing machine isn't too loud. Is it okay? Can you hear it? Does it bother you? It was pretty calm until now, and now it's going crazy. Bonsoir. Je m'appelle Ismaël. Ismaël, j'imagine. Je prononcerai Ismaël. Mais le prénom Ismaël, ça existe en France. Enfin, j'ai déjà rencontré des Ismaël. Alors, the sound is okay. Okay, great. Because it's okay now. It's calm, but it's gonna go crazy, I think. It's the end of the cycle. Anyway, doesn't matter. Comment vous allez? Comment tout le monde? Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes vacances? Désolée de ne pas avoir été, d'avoir arrêté les live streams. Internet n'était pas très très rapide là-bas, là où on était en vacances, et on a profité pour se reposer un peu. Du coup, voilà, j'espère que. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Mais voilà, je vais recommencer tous les live streams tous les vendredis à 18h heure française normalement, 6h heure française. Mais aujourd'hui, je vais changer l'heure peut-être, mais en général, c'est à 6h. Vous êtes né où? Je suis né à Paris. I had a week in Paris a couple of weeks ago. What an amazing city. Even if everything was closed where I stayed in the 15th. Oh yeah. Oh, but that's cool because the 15th is not touristy at all. So yeah, things used to, I mean, a lot of things close, like restaurants and shops and things like that during the month of August, because it's the main holidays. And it's not a touristy neighborhood, so yeah, everything closes down. But if you go to like near the Eiffel Tower, everything will, a lot of things will be open. But yeah, that's funny. That's cool. I'm glad you had a fun time. Je suis née en Australie. Alors pendant le live stream, je vais parler en français. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que ça va si je parle entièrement en français? Parfois, quand vous posez des questions en anglais, je réponds en anglais parce que je ne sais pas si le niveau de français est, oh, pardon. Est suffisant pour que. Voilà. Donc, j'essaye de rester en français, mais s'il faut, je peux parler un peu en anglais. Je suis née en Australie, on ne dit pas à l'Australie, je suis née en Australie. Mais c'est cool, c'est loin. C'est trop loin. Je suis jamais allée en Australie. J'aimerais bien. Ah, t'aimes bien mes lunettes. Ok, c'est sympa. I loved it not being touristy. I'm back for 2 nights in 2 weeks for work. Oh, that's cool. Yeah, it's actually really. I think it's. I mean, it must be really nice to go in a city, even though it's really touristy, that you go to a special place where
There's not as much people, as many people. We went to Croatia this summer. Ooh, sorry. This summer with Charlie, and Croatia is, because I'm half Croatian, so I have family there. And Croatia is super popular now, especially, I mean, thanks to Game of Thrones. And there are some cities on the coast that are just like crazy packed with tourists. And we went there last year, and it wasn't nice. I mean, c'était pas agréable. C'était pas agréable quand il y avait autant de touristes. Donc cette année, on est allé dans des sur dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était génial. Salut du Brésil. Oh, cool. Oui, en français. Ok, français. Il faut que vous parliez toujours français. Ok, je vais parler toujours en français. Désolée, j'ai un peu parlé en anglais. Mais parce que quand la question est en anglais, je préfère répondre en anglais. Mais vous pouvez me dire, entre parenthèses, réponds en français ou en anglais. Bon. Oui, on dit en Australie. Je suis née en Australie. C'est ça. Tout le monde voyage en Croatie maintenant. Pourquoi? Tout le monde voyage en Croatie à cause de la série Game of Thrones, parce que ça a été filmé là-bas. Pas entièrement, mais une partie de la série a été filmée là-bas dans des vieux châteaux. Du coup, c'est comme The Lord of the Rings. Lord of the Rings. Tout le monde allait en Nouvelle-Zélande. Les gens adorent voyager et voir les paysages de leurs films préférés ou de leurs séries préférées. Donc je comprends. Je pense que vous aimez la série Game of Thrones. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je me suis arrêtée il y a longtemps. Je suis très loin dans la série. J'ai peut-être regardé 3 saisons, peut-être 4. Je crois que j'ai pas fini la quatrième. Mais j'ai bien aimé, mais il fallait attendre toujours longtemps. Du coup, bon, je les regarderai une autre fois, je pense. Vous aimez bien cette série, Game of Thrones? Pouvez me donner des conseils pour me sentir plus sûre quand je visite la ville de Paris le 14? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux être plus sûre? C'est-à-dire, tu veux savoir s'il y a des quartiers plus sécurisés? Ou comment parler avec les gens, ou je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Le 14 sera ma prému. Tu veux dire ma première. Pardon, je me suis couchée tard, je suis un peu fatiguée. Prému, c'est quoi? Excuse-moi, je pense pas comprendre entièrement. Ah, ma première fois visitant la ville. Ok. Alors oui, est-ce que tu veux savoir quels sont les quartiers plus sûrs? Je regarde, non, t'as pas encore commenté. Je comprends pas exactement la question. Te sentir plus sûr? Si tu voyages seul, si tu voyages seul, je te conseille d'aller dans des meet-up ou des choses comme ça pour rencontrer les gens et parler en français avec eux. Parce que souvent, c'est marrant, mais dans les meet-up ou les bars au couchsurfing, très souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Parfois, il y a même plus de Français que d'étrangers, ce qui est un peu drôle, parce que les Français aussi veulent rencontrer des étrangers et pratiquer leur anglais, s'entraîner à parler anglais. Du coup, si tu veux t'entraîner à parler français, va dans des bars comme ça, parce que les gens sont vraiment là pour rencontrer des gens. À Paris, c'est intéressant, en fait, on en parlait avec Charlie. La culture d'aller dans un bar en France et en Amérique, c'est très différent. En France, tu vas dans un bar avec des amis parce que tu as envie d'aller dans un bar, tu as envie de te faire plaisir, t'aimes bien le lieu, mais c'est pas forcément pour rencontrer des gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça pour rencontrer des gens, des copines, trouver une copine, trouver un copain.
Mais très souvent, on veut juste aller au bar avec nos amis et parce que on aime bien aller dans un bar et il y a de la bonne musique, voilà. Et du coup, on va pas parler avec les gens autour. Ça, c'est un truc très commun, quoi. Alors que j'ai parlé avec Charlie et des amis américains à lui. Et ils comprenaient pas du tout ça, parce qu'en Amérique, si tu vas dans un bar, c'est pour parler avec les gens qui sont dans le bar. Sinon, tu restes à la maison et tu bois des bières à la maison et y a pas besoin d'aller dans un bar. Donc, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que si tu veux rencontrer des Français, si quelqu'un vient à Paris et ils veulent rencontrer des Français, je vous conseille d'aller dans des bars internationaux. Parce que là, c'est sûr à 100% que les Français qui sont là-bas, c'est parce que ils veulent vraiment parler, ils sont prêts à s'ouvrir. Alors que dans d'autres bars, ça peut être un peu difficile. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Mais quand même, c'est un truc qui se fait beaucoup en France, d'aller dans un bar, pas pour rencontrer des gens, mais pour être avec ses amis et du coup être un peu isolé peut-être. Mais du coup, voilà, ça c'est un conseil que je peux donner avec Paris. Ça peut être un peu différent que d'autres villes dans le monde. Pourriez-vous faire une vidéo avec l'explication des mots familiers les plus souvent utilisés parmi les jeunes? Ah ouais, ok. Même gros mots. My teacher is dumb then. Oh, oh, c'est elle qui t'a appris, je suis née à l'Australie. Non, non, ouais, c'est pas correct. Ouais, c'est faux. C'est dommage si c'est ta prof qui t'a dit ça, c'est pas bien. Mais bon, c'est des petites fautes, ça arrive. Alors, je vais écrire vos suggestions. Oh, je suis désolée, la machine, elle fait un bruit horrible. Alors, attendez. Mais si vous avez des questions, continuez à les écrire. Moi, je vais y répondre après. J'ai juste mon petit carnet et j'écris vos questions, vos idées de vidéos aussi. Si vous avez, il y a quelqu'un qui vient de dire que je devrais faire une vidéo sur l'explication des mots familiers les plus souvent utilisés parmi les jeunes. Donc, si vous avez d'autres idées comme ça, c'est très gentil. Vous pouvez les écrire et comme ça, on va le faire avec Charlie. Alors, on est combien aujourd'hui? On est le 1er, je crois, le 1er septembre. OK. J'écris un peu parce que sinon j'oublie et je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Si vous avez, donne les exercices en français. Alors, j'ai pas d'exercice en français. Mais si tu cherches des leçons de français, on a un cours de français gratuit sur notre site. Donc tu peux aller voir. Avec Charlie, le projet Street French, on le fait d'une manière un peu différente, pas traditionnelle. On n'a pas de cahier d'exercice. On donne des exemples. On fait beaucoup de vidéos et tous les cours, gratuits ou payants, ils sont tous vidéos. Parce que c'est très important pour nous qu'une personne apprenne la langue en parlant et en écoutant. Et après, il faut lire, il faut écrire, il faut faire plein de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui font que des exercices et qui parlent jamais la langue. Et en fait, ils apprennent jamais. Ils progressent jamais. C'est bien, mais il y a une limite. Ça permet pas de progresser assez. Donc, on n'a pas d'exercice à te donner, Ready. Ridi Pruti, je ne sais pas prononcer, désolée. Mais si ça t'intéresse, tu peux essayer notre cours de français gratuit. So, we have a French, free French e-course on our website if you want Ridi. And our website is streetfrench.org. Streetfrench.org.
Bonjour Maya, ça va? Oh, salut Elena. Ravie de te voir. Cool, c'est gentil. Content de voir qu'il y ait du monde qui sont là au live stream. Vous êtes très fatigués aujourd'hui. Ouais, désolée, je bâille. J'ai un. Souvent, à 4 heures, c'est le moment de la journée où j'ai un peu un. En français, on dit un coup de barre. Ça veut dire. On commence à être un peu fatigué. Après, ça va, on se réveille, mais c'est un moment de la journée où on s'endort un peu. Et pour moi, souvent, c'est à 4 heures. Parce que j'ai mangé avant. Bon, bref. Alors, maintenant que j'en parle, j'ai envie de bâiller. Oh, pardon. Je prends vos questions. Bonjour, Amat Sadik. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Alors, mince, j'ai pas écrit la question de la jeune demoiselle. Voilà, Oksana, vidéo. Alors, mot familier utilisé par les jeunes. Mot. Ok. Alors, je continue les questions. J'ai une question pour vous. Je suis étudiant à l'université de Galatasaray. Ok, je sais pas où c'est. Et je veux apprendre la langue française. Est-ce que vous m'aidez? Tu veux de l'aide? Tu veux prendre des cours avec nous? Tu veux prendre des cours privés avec nous? Est-ce que tu peux prendre des cours dans ton université? Désolée, watercolor, art painter, je ne comprends pas exactement ta question. Si tu veux prendre des cours avec nous, tu peux. On fait des cours par Skype, soit Charlie, soit moi. Et tout est possible. Alors, Oliep, j'aime bien Monoprix. Les travailleurs étaient très drôles. Ils ne sourient jamais et ils ne parlent que quand c'est absolument nécessaire. Pourquoi tu dis drôle? C'est pas drôle, ça. C'est un peu triste. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. À Monoprix, j'ai pas. Ça dépend, on peut trouver des gens sympas et qui parlent, mais très souvent, c'est un peu des robots, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, aussi, les gens, ils viennent et ils leur parlent pas à eux. Donc, ils ont l'habitude de pas essayer. Je sais pas. Mais c'est vrai que, Oliep, t'es américaine, c'est ça, non? Ou canadienne, je me rappelle plus. C'est vrai qu'en France, mais même dans aucun magasin, personne ne va jamais vous demander, aucun travailleur ne va vous dire bonjour, vous allez bien. Ils vont vous dire bonjour et c'est tout. Mais ça, c'est notre culture en France. C'est pas comme en Amérique. Les gens, ils demandent pas bonjour, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Vous avez passé de bonnes vacances, surtout dans les grands magasins comme ça, Monoprix, des chaînes de magasins, peut-être dans une petite boutique de quartier, etc., et que on est une personne du quartier et qu'on se voit régulièrement, on peut commencer à parler. Mais dans un magasin comme ça, si on ne connaît pas le caissier, il ne nous demandera pas si on va bien et nous, on. Pardon, j'ai un appel. Et nous, on veut pas, on n'a pas besoin qu'il nous demande ça. Donc, ça peut être bizarre, ça peut être drôle, mais c'est notre culture. Ouais. Je me demandais s'il y a des voleurs, s'il y a des quartiers plus dangereux. Ah ouais, je suis d'Espagne. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des voleurs dans les métros. Faut faire attention. Il faut toujours avoir son sac fermé et il faut avoir son sac près de soi. Dans le métro, ça peut être n'importe où, dans n'importe quel quartier.
Le métro, c'est pas dangereux, mais il faut juste faire attention à ses affaires parce que je vois des femmes, mais 80% des femmes, je vois leur sac, il est grand, tout vert. Et je comprends pas pourquoi. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, il y a peut-être 2 ou 3 ans, ça m'est arrivé, on m'a volé mon porte-monnaie. Et j'étais pas contente, non. Mais mon sac était pas ouvert, il était juste un tout petit peu ouvert parce que j'ai mal fermé. Donc c'était même pas, c'était une erreur de ma part, c'était, enfin, parce que je portais une valise. Bref, on m'a volé un truc. Donc faut faire attention dans le métro. Sinon, les quartiers, faut faire attention dans le nord de Paris. Et faut faire attention quand on sort de Paris, le soir, voilà. Mais le 15e, ça va. C'est toi qui es dans le 15e. Ah non, t'es pas dans le 15e ou le 14e, je sais pas. Mais le sud de Paris, ça va. Le centre, tout ça, ça va. Dans le nord, faut faire un peu attention à ses affaires. Le soir aussi, faut faire un peu attention. Mais il m'est jamais rien arrivé. Donc Paris, il y a beaucoup plus dangereux que Paris. Après, quand on sort de Paris, faut faire attention, faut pas être toute seule à 2 h du matin dans des petites rues où il y a personne. Bon, bah, faut faire un peu attention quand on est en dehors de Paris. Ouais. Tu parles la langue française très rapide. Ah, pardon, je parle un peu. C'est bien de me dire, je peux parler plus lentement s'il faut. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Chocolatine, c'est que dans le sud ou ouest, vers Toulouse. Les gens à Toulouse, ils disent chocolatine. Mais moi, je dis pain au chocolat, enfin, comme 80% de la France. Salut Diliara. Who is Charlie? Oh, Charlie is the other person I'm doing street French with. So we started this project together. And so we actually kind of telling his story because he's American and he started studying French first on his own and then with the university, and that didn't work out that great. So now he's like totally bilingual and he lives here in France with me. But so yeah, like street French is kind of like our project to tell his story and how he got to be bilingual, what really helped him, and we've been giving French lessons like for years actually. Even before I met him, I was giving French lessons, and he's been a French tutor too. So yeah, so Charlie is the other person. If you go to our Instagram feed, you will see a guy. I mean, there were two person on the usually you see my face because I'm taking care of the social media. But yeah, if you watch our YouTube videos, there's a lot of videos where he's talking. Actually, maybe if you don't know Charlie, you should check out our YouTube channel. It's if you type Street French in YouTube, you should be able to find us. And we have a lot of videos like French lessons, and I do vlogs, so you can practice listening to a French native person, and you can also have advice from a non-French native person who got to be bilingual, and he shares all his tips and what really helped him and how what he says to his students when he teaches them. And yeah, actually, like, this project is kind of a way to help more people, maybe. And yeah, we have the French e-course, and he's the one who wrote the e-books and did all the French e-courses. And yeah. So that's Charlie. But he's not here now, but maybe, I don't know if he will be able to come back on the live stream because. Yeah, we'll see. But maybe next week. We'll see. But sometimes he's with me during the live streams. If you check out our YouTube channel again, there are some previous live streams that I filmed and he was in them.
Anyway, so that's Charlie. Oh, you answered Sharon, that's funny. Bonjour madame, j'ai une question. Comment je parle bien français? Alors, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu veux savoir si ton niveau... Comment bien parler français? Comment apprendre le français? Suis pas sûre de comprendre. Merci madame, mon nom est Ridhi. Je suis Punjabi. Oh, ok. Salut Ridhi, enchantée. C'est la rentrée aujourd'hui, bonne rentrée. Merci. Alors, je ne sais pas quand l'école commence en France. Peut-être aujourd'hui? Oh, si ça commence aujourd'hui, c'est nul. Je pense que ça commence lundi. Lundi, ce sera 4, je pense, le 4 septembre. C'est quoi drôle? What does drôle mean? Oh, drôle means funny. It means funny. Jamais entendu. Ah, salut Saji. Ça va et toi? Alors, je vais continuer à prendre vos commentaires. Je veux apprendre la langue française parce que j'ai un examen. Ah, ok, l'université de Galatasaray et l'école française en Turquie. Ah, ok, je ne savais pas. I got lost trying to leave Châtelet Metro Station. Oh, yes. Châtelet is really. I mean, it's not that I mean, no, it is complicated. It's really big, and there are so many different metro lines and trains going from Châtelet, so it's really big. So I understand, and yeah, usually we don't know what exit we have to take, and sometimes, like in a metro station, the exits are all next to each other on the same street, and sometimes. Like Châtelet, if you take exit 1 or exit 4, you end up like a block away. Like it's crazy. So yeah, Châtelet is really complicated. I understand. For someone who's visiting for the first time, yeah, it's not easy. And there's a lot of people and everyone is stressed and they're walking very fast and yeah, anyway. I got lost trying. Okay, could you please pronounce both deuxième? Oh. So, deuxième et douzième. Deux, dou. Deux, dou. I don't know if you can hear the difference. For me, it's so obvious, but I've been through that during lessons with people who didn't hear the difference at all. And now, myself, I'm like, oh yeah, it's really similar. But yeah, so it's deuxième, douzième. Deuxième, douzième. Can you hear the difference? Dans mon examen, il y a écoute, lire, écrire, parler. Oh là là, c'est un examen complexe, hein? Et toi, ta langue maternelle est le français? Ouais, je suis. Ah, salut, Chachi. Ah bah, Chachi, c'est Charlie de Street French. Alors. Et toi, ta langue maternelle, c'est le français? Oui, c'est je suis française. Le mot maillot, on l'utilise juste quand on parle de nager parce que je dis souvent le maillot t-shirt, mais on me dit que j'ai pas raison. Ah! Alors ouais, je comprends. Je pense que c'est un mot qui existe, le maillot de corps. C'est le t-shirt, c'est le petit débardeur, ça c'est un débardeur, qu'on met sous la chemise pour les hommes, je pense, mais on l'utilise jamais comme ça en fait. On dit t-shirt, on dit pas maillot. Et un maillot, c'est ah oui, un maillot de foot. Alors le maillot, c'est plusieurs choses. Le maillot, c'est le maillot de bain, c'est ce qu'on porte pour aller nager, donc le maillot de bain. Sinon, il y a le maillot de foot. Ça, c'est the jersey, right? The English word is the jersey. So, maillot. But if it's a regular t-shirt, si c'est un t-shirt normal comme ça, c'est pas un maillot, ça, c'est un t-shirt. Voilà, donc c'est voilà, c'est pas vraiment correct. Effectivement, tes amis ont raison.
Quel adjectif on utilise plus souvent? Drôle, rigolo, marrant. Ça serait drôle et marrant. Les plus souvent utilisés, c'est drôle et marrant. Rigolo, c'est un truc d'enfant. C'est quelque chose qu'on dit quand on est enfant. C'est rigolo. Ouais. Donc rigolo, quand on est adulte, on arrête de l'utiliser. Ça serait plutôt drôle et marrant. Et marrant, c'est un peu plus informel que drôle, mais à peine, hein, c'est vraiment quasiment la même chose. Sorry, this is not language related, but do you know any French stores online that ship to the US and that ship internationally or just to the US? What kind of French stores? Like anything? That's a vast question. I'm sorry, I have no idea. And I don't know because I never had to ship things in the US, so I don't know. I'm really sorry. I can't answer that. Thank you, I hear it. Oh, cool. Donc, deuxième et douzième, tu entends la différence. Est-ce que vous avez tous ce problème pour la prononciation de ce que Lily and Joe's a demandé tout à l'heure, and Joe's dad? Deuxième et douzième. Est-ce que vous entendez la différence? Parce que c'est deux mots différents. Oh, Zolotonatashka. Zolotonatashka, ouais. Le cours par Skype. Tu veux savoir combien coûte le cours par Skype? Envoie-moi un message pardon. Envoie-moi un message sur Instagram après le live et on en parle si tu veux. Parce que ça. Ouais. Bon, ça fait une bonne demi-heure. J'ai l'impression d'avoir la gorge sèche que je parle. Désolée si le portable est un peu penché. Mais je charge en même temps. Ah, la machine a terminé. Ok, cool. Est-ce que tout le monde me comprend ou est-ce que je parle trop vite? Parce que au début, je parle doucement et après, je commence à parler naturellement et j'oublie que je parle trop vite. Donc, dites-moi si vous me comprenez pas. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mots que vous voulez que je prononce pour vous parce que vous ne savez pas comment les prononcer? Est-ce que vous avez essayé le cours gratuit et vous voulez nous dire à Charlie et à moi s'il y a quelque chose qui est bien, qui n'est pas bien? Vous pouvez nous dire si ça vous a aidé. On aime bien avoir les commentaires après des gens. Oh, et d'ailleurs, cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, ce week-end encore, on fait une promotion. Ah, ce bruit, c'était la machine à laver. Oui, c'était ça, pardon. Mais c'est fini maintenant. On est au calme. Oui, donc ce week-end encore, toute la semaine jusqu'à ce week-end et jusqu'à lundi, on fait une promotion sur tous nos produits. Donc on a deux e-books et on a deux e-courses. Vous pouvez aller voir sur streetfrench.org et on a deux produits à 50% et deux autres produits à 30%. Et du coup, ça peut être très intéressant si ça vous intéresse. Do you and Charlie do Skype lessons on the weekends? I'm in California. Yeah, we do. If you need any Skype lessons on the weekends, it's there's no, it's not a problem. You can send us a message after
in the DMs, you know, and we can talk about it. Est-ce qu'on fait la liaison pour 2 euros et 10 euros? Ouais, c'est 2 euros, 10 euros. On fait la liaison. Comment dit-on en français? You made my day. Oh. Comment on dit? Je pense qu'on peut dire quelque chose. J'ai un trou de mémoire. Il y a plusieurs manières, mais on peut dire ah, t'as fait ma journée. Ouais, c'est un peu la même chose en fait. C'est la même chose. T'as fait ma journée ou tu as égayé ma journée. Ouais, égayé, like gay means like happy, so make my day happier, I guess. So, yeah, I think that's how I would say Wait, let me check if there's another way. Sometimes when I hear the English expression, I'm like, it resonates and I can't find the right French expression. Ouais, c'est ça, t'as fait ma journée, ou ça a égayé ma journée, ça, il y a des gens qui disent ça a ensoleillé ma journée. Bon, c'est mignon, mais ensoleillé comme un soleil. Mais ouais. De rien, de rien. Oh, je veux voir s'il y a des commentaires sur. Mince, j'ai même pas ouvert le YouTube. Je suis désolée, j'espère qu'il n'y a personne. Enfin, j'espère pas qu'il y a personne, mais. Je me rends compte que j'avais pas ouvert le. Oh, je veux voir s'il y a des commentaires. Ah, mince, il y avait des commentaires. Je suis désolée sur YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai pas ouvert. Bonjour à tout le monde qui regarde sur YouTube. Bon, il y a plus de gens sur Instagram, mais. Tina Pelvan. Oh, t'es de Croatie, you're from Croatia? Salut, salut, désolé, désolé si j'ai pas vu vos commentaires. Si vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions. Hop, ça fait ma journée. Souvent, on peut dire plutôt pour une chose, ça a fait ma journée. Oh, ça a fait ma journée, ouais, ça sera un truc comme ça. Est-ce que vous avez des dernières petites questions? Je pense que je vais y aller bientôt. Et ouais, et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Je viens de la poster juste là, au début, juste avant le live stream. Et je parle de l'expression oh là là. C'est très cliché, je sais. Mais j'ai vu des gens qui savent pas en fait le vrai sens de oh là là. Et du coup, j'en parle dans cette vidéo. Parce que c'est pas, on l'utilise pas comme tout le monde l'utilise dans le monde. C'est pas un truc sexy, oh là là. On l'utilise pas comme ça en français. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo sur notre chaîne Street French Org. Mais si vous écrivez Street French dans YouTube, vous pouvez voir la vidéo. Bonsoir. Bon, moi, je vais y aller bientôt. Si vous avez dernière petite question, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on dit? Tu veux dire ah, un profil Instagram? On dit plutôt un compte Instagram et profil, ça va plutôt être un profil Facebook. Parce que profil, il y a vraiment toutes les informations. Nom, prénom.
Où est-ce que tu as étudié, où est-ce que tu habites, blablabla. Donc ça, c'est un profil, parce qu'il y a ta photo. Sur LinkedIn, ça va être un profil. Profil LinkedIn, profil Facebook, mais c'est un compte Instagram. J'en ai une. Ah, t'as une question, vas-y. Salut, Mohamed. J'espère que je n'ai pas fait une pause. Ok. Ah, c'est bizarre, je vois la vidéo sur YouTube de ce que je suis en train de filmer, là, le live. Et on dirait que j'ai mis de la lighter partout. Oula. Eh ben. Bon, je vais débrancher mon portable. Alors, avoir la grinta. J'ai jamais entendu ça. Avoir la grinta. C'est peut-être autre chose. Avoir la. La grinta? La grinta? J'ai jamais entendu ça, désolé, je connais pas cette expression. J'essaye de réfléchir si c'est peut-être autre chose. T'es sûr que c'est ça? Avoir. Mais tu sais, aujourd'hui, enfin, tout le temps, il y a des nouvelles expressions. Et moi, j'ai 26 ans. Je ne suis pas vieille, hein, mais les expressions que les jeunes de 16 ans utilisent, je ne les connais pas du tout. Donc peut-être que c'est une expression toute nouvelle que je ne connais pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que un jour, j'étais dans le métro, je l'ai entendu dans une musique rap. Ah ouais, ok. Mais le vocabulaire des musiques de rap, je ne connais pas. Attends. J'essaie de penser autrement. Le vocabulaire des musiques rap, je connais pas parce que c'est très spécifique et faut si tu, je suis pas entourée de gens qui parlent comme ça dans la vie de tous les jours, donc je connais pas. Désolée, c'est vraiment très spécifique. C'est des mots d'argot que je connais pas parce que c'est vraiment les gens. Ouais, les mecs, souvent c'est un vocabulaire de mec, un vocabulaire de mec de cité, et puis de gens dans le milieu du rap, je connais pas. Désolée. Mais ouais, d'ailleurs, c'est drôle, un jour j'étais dans le métro, et à côté de moi, il y avait un groupe de 4 ou 5 jeunes garçons, adolescents, ils avaient peut-être 16, 18 ans. Et ils parlaient entre eux, ils étaient morts de rire, ils rigolaient tellement fort. Et ils parlaient fort, donc on pouvait entendre ce qu'ils disaient. Du coup, enfin, j'écoutais pas, mais j'entendais ce qu'ils disaient parce que j'étais juste à côté. Mais en fait, je ne comprenais rien. Zéro, zéro. J'étais assise à côté d'eux pendant 5 minutes et pendant 5 minutes, je n'ai rien compris. C'était trop drôle. On parle la même langue, mais. Il parlait 100% en argot et du nouvel argot et que je connais pas. Et après, il y a de l'argot dans toutes les communautés différentes, si c'est des gens d'origine africaine ou des gens d'origine asiatique, ils vont avoir des mots d'argot différents. Et du coup, j'imagine qu'ils avaient des mots d'argot de leur communauté. J'en sais rien, enfin. Mais j'avais envie de rigoler parce que je comprenais rien du tout, quoi, alors qu'on est censé parler la même langue. Bon, bref. Donc voilà, avoir la grinta, désolé, j'ai jamais entendu. Et peut-être que eux, ils pourraient t'aider, mais pas moi. De rien, en tout cas. Oh. Oui, si tu as une autre question, Mohamed, vas-y. Mohamed, ou je sais pas comment prononcer. Mais si tu as une autre, vas-y, je vais prendre ta question, ça sera la dernière et après j'y vais. Si quelqu'un a d'autres questions, écrivez-les maintenant et sinon j'y vais juste après la question de Mohamed. D'ailleurs, c'était dans quel.
Dans quelle chanson que tu as entendu ça? Dans quelle musique de rap que tu as entendu avoir la grinta? Je pense que je vais aller chercher. Ça m'intéresse maintenant. Jeter une bouteille à la mer. Oh, tu veux savoir ce que ça veut dire? Jeter une bouteille à la mer. La mer comme the sea, not the mother, but the sea. Ça veut dire une bouteille avec un mot dedans. C'était dans la même musique de rap. C'est quelle chanson, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Et c'est quel chanteur, c'est quel rappeur? Alors, jeter une bouteille à la mer, en gros, ça veut dire jeter un message dans le monde. Parce que c'est les bouteilles avec le petit message écrit sur un papier dedans qu'on jette à la mer. C'est voilà, c'est ça. C'est un bazar. C'est quoi un bazar? Oh, Grinta? Peut-être que tu sais. Bon, je vais regarder. Ah, bon. Ça m'intrigue ce truc. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement, cette expression, parce que voilà, je l'ai jamais entendue. Donc si tu sais pas, c'est pas grave. Regardez. Est-ce que c'est clair, Mohamed, ce que j'ai expliqué pour jeter une bouteille à la mer? Avoir la hargne. Oh, ok. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais ok. Je peux comprendre. C'est un peu spécial, mais bon. Je vais juste écrire un truc. C'est-à-dire que c'est un bazar. Ah, oh. Ben, faut décider. Je pense que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bon, ben, je vais vous laisser. C'était sympa. Je vais revenir vendredi prochain pour un autre live, normalement à 18h. Mais si je peux pas, j'écris toujours le jeudi soir. Je poste une image live stream et j'écris à quelle heure je serai live. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions, d'avoir proposé des idées pour des vidéos aussi. Et puis voilà. Allez, salut, salut. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Ça et salut. Salut sur YouTube.